Et hop les gens, on se retrouve aujourd'hui sur une vidéo donc sur Crossmaster Arena. J'avais envie de faire une vidéo détente là, comme ça, vite fait, donc sans prise de tête, un petit montage vite fait qui aura en fond, enfin vraiment que dalle, juste pour le plaisir de jouer et de partager le jeu quoi. Donc je préviens tout de suite, c'est pas un jeu très difficile, c'est pas un jeu qui demande du skill ni rien, franchement c'est vraiment de la détente. Je joue depuis très peu de temps. Ça se voit dans l'aventure, j'ai fait que le tutoriel et allez, cette arène là, ces arènes là. Donc franchement, j'ai strictement rien fait quoi. Et donc je trouvais ça sympa de commencer ça avec vous. Vous me direz dans les commentaires si vous appréciez ce genre de vidéo. Si vous voulez que je compte et on fera d'autres vidéos détente de temps en temps sur des jeux vraiment sans prise de tête quoi. Des petits jeux sympas quoi. Voilà. Donc là, ça va se lancer. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est comment? C'est un jeu de plateau. Voilà, par exemple, vous avez une mission au début. Donc mettre KO 3 ennemis de famille Bouffetout. Donc c'est l'univers de Dofus un peu. Enfin, c'est pas un peu, c'est l'univers de Dofus. Et par contre, là, bah, c'est toujours du tour par tour. Et là, le but, c'est bah, de réussir les missions qui nous sont données au début. Ouais, quand c'est tout fait, faut juste les buter. Ça va être assez simple, j'ai des attaques qui font assez mal. Enfin, des attaques qui font assez mal façon de parler parce qu'elles font pas mal du tout. Voilà, j'ai fait du moins 1, deux fois du moins 1, il lui reste combien? Il lui reste 1. Je sais qu'après il va mourir. Lui, il fait du 2. On l'a déjà vu. Et lui du 3. Ok. On va faire ça. Ah voilà. Et lui je peux. Ah ben voilà, lui je l'ai fini. Voilà. Ça fait bien mal. Alors, vous voyez que, enfin, comme je vous l'ai dit, c'est du tour par tour. Franchement, c'est assez sympathique comme jeu. Ça, enfin, c'est pas non plus super difficile. Enfin, en même temps, c'est un peu le début. Donc, franchement, je trouve ça sympa. On va mettre du critique. Alors, on va mettre de la. Voilà, comme ça, il pourra partir. Et lui, comme ça, il pourra le défoncer. Alors, utiliser ça sur lui. Une fois. Est-ce que je peux le réutiliser une deuxième fois? Oui. Deux fois, lui il crève. Ah non, il est pas crevé. Ah, il aurait pu. Ça aurait été bien. Alors, toi. Toi, t'attaques lui. Lui qui a que deux. Si tu lui fais du moins deux, c'est génial. Du moins. Ah. Tu voulais pas mourir, toi, apparemment. Alors. Oh, mais du coup, c'est à moi de jouer. Ah, mais du coup, il va mourir. Alors, toi, on s'en fout. Et toi, comme c'est lui qui a le plus. Voilà. Voilà. Alors, tu vas là et t'attaques Pablo. Pablo, ici présent. Il est mort. Il est mort. Est-ce que je. Non, je peux même pas me redéplacer. Par contre, lui, il doit lui en rester un seul de PV. Et j'ai gagné normalement. Ouais, j'ai gagné. Vous voyez, c'est des parties. Franchement, c'est très court. Et c'est vraiment pas mal. Enfin, moi, j'apprécie ce genre de jeu. C'est vraiment bien. On va passer à l'arène suivante. Alors voilà, je suis à 3 sur 8. On va prendre comme d'habitude. Hein, comme tout à l'heure. Franchement, je connais aucun des autres. Et ceux-là, je les connaissais pas avant de faire la vidéo. Franchement, je les ai pris au hasard. Donc franchement bon ça charge. Ça charge. Alors ramasser 6 camas cette fois. Ok. Alors. On va. Bon, de toute façon on n'a pas le choix du déplacement. Bah passer, j'ai pas le choix. Voilà. Alors, ici. Voilà, et lui on le défonce. J'ai fait du moins 1. Là. Du moins 2, il crève. Ah oui, mais le but c'était pas de les faire crever en fait. Ok. On soulignera ma stupidité, bien sûr. Voilà, toi.
Entend un peu de dégâts. Ouais, du moins 2. Franchement, c'est génial. Voilà. Ok, bon, j'ai perdu des PA. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On va prendre du critique, hein. Tant qu'à faire, on va lui mettre à L. Et toi, on va mettre de la... Comme ça, tu pourras peut-être... Il me semble que c'est... Non, c'est pas plus loin que tu peux aller. Bref, je sais plus trop exactement. Ok, toi là. Ça, c'est quoi? En fait, j'ai même pas regardé. De toute façon, ça attaque de pas loin, franchement. Ah, si, je peux faire ça. Oh! Je fais mal. Ah, voilà, c'est plutôt cool. Passer. Tu crèves. Non, j'ai du moins 2. Oui, toi, tu crèves. Ensuite, est-ce que... Oui, je peux me déplacer là pour prendre le Kama. Hein? Je veux pas prendre le Kama? Ah, ok. Ah, mais oui, c'est que ça compte comme un déplacement. D'accord, mais je savais pas, moi. Je pouvais pas le deviner. Voilà. Bah oui, forcément, comme ça, c'est peut-être mieux. Oh, je peux ramasser le Kama. Je peux pas faire mal à lui. Ah, si, je peux. Allez. Allez, ça, c'est fait. Il est mort. Passé. Toi, ramasse-moi ce Kama. Tu vas là-bas, tu ramasses le Kama. Voilà. On va prendre du... Pourquoi je prends du critique? Je suis un peu stupide. Bref, c'est pas grave. On va passer. Alors, là. On ramasse le Kama. On passe. Et on ramasse le dernier. Ah, même pas. Passer. Et autour de nous, ouais, passer. Ouais, ça, passer. Du coup, passer. Là. Et Kama. Et voilà. Bon, vous voyez, c'est franchement, c'est sympa comme jeu. Je vous le conseille pour vraiment. C'est sans prise de tête, vraiment. C'est super simple. Bon, on va se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus. Franchement, ça fait quand même une bonne vidéo. On se retrouvera certainement sur une prochaine vidéo. Ce sera sûrement avec SoGraze, qui n'est toujours pas paru sur la chaîne, qui fera son impression dans la prochaine vidéo. On sera une game de LOL. Bon, voilà. Sur ce, bah. On va se quitter, je vous dis à bientôt. Allez, à plus!